Bonsoir, bienvenue, faut s'attendre à tout. Dernière de la semaine sur Angers 7, au programme les tatouages avec Bérangère de la rédaction Angers 7. JB va nous présenter ses bons plans sortis pour le week-end. Et nous allons recevoir le groupe montant de la scène française, les Hush Puppies. Et justement, dans votre jeu, les Suicides qui en fin d'émission vous offriraient leur CD Maxi Collector. Bonjour, je suis le batteur des Hush Puppies, un groupe super. Moi je suis Olivier, donc le chanteur. Et il manque Cyril le guitariste, il manque Wilfried le clavier et Guillaume le bassiste. On habite à Paris, on est originaire de Perpignan, excepté Guillaume le bassiste qui est originaire de Bordeaux. Excepté Guillaume, on s'est tous connus à Perpignan au lycée. Depuis qu'il a sorti l'album, on a fait 15 dates. Et puis là, ça va s'activer pas mal en février, mars, avril, jusqu'à cet été j'espère, peut-être même plus. Bon turnover de nos cellules du foie surtout. Et de la bière et des femmes, nom de Dieu, quoi. le titre, ça sera... qu'est-ce que ça sera? Les Puppies sont entrés dans la légende à Angers. Johnny Clegg and Savoca. C'était au Palais des Expositions à Perpignan. Moi, si je compte pas Dorothée Carlos, que mes parents allaient voir quand j'avais 5 ans, mon premier vrai concert, que j'allais de mon plein gré, c'était James Brown. Et j'étais en... Correct. Ouais, il se la pète. J'étais en 3e, je crois. Ah, voilà. Oh, bah, Ramon, sans hésiter, je déteste les Clash. Peut-être qu'ils détestent pas les Clash. Je déteste pas les Clash, mais je dirais... Je dirais peut-être... Ouais, plutôt Ramones, mais... Ramones. C'est parfait, ils sont parfaits. Mais c'est moins flagrant qu'Olivier. C'est des gens qui filment, il faut à un moment donné qu'ils soient sur... Pourquoi faire de la pellicule. We'll be right back.
cool. Ah ouais, on commence bien l'année.